Voilà, qu'il y en a à peu près une vingtaine, 22 à peu près. Vous m'entendez, Yac? Oui, monsieur, on vous entend. Voilà, donc, on a une minute, on me dit. La séance, elle est enregistrée? Oui, Oui, monsieur, monsieur. j'ai lancé l'enregistrement. Ça fait donc comme ça là, si les autres ils arrivent et après ils peuvent revoir la séance en différé. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 13. 13 plus 9, 22. 22 personnes. Bon, d'accord, on va commencer. Donc, vous arrivez à voir Diapoyac. Oui, monsieur. Voilà, donc, on va reprendre le cours sur les lignes de transport, ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on avait commencé le chapitre. Sur une présentation, une initiation au réseau, aux tensions. Après, on s'est intéressé surtout aux lignes de transport, aux tensions. Et donc, on n'avait pas eu le temps, vu les conditions, de terminer le chapitre 4. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, normalement, le chapitre 4, il doit être terminé avant, mais ce n'est pas grave vu les conditions, donc on va essayer de les terminer à l'Mra. Alors, il va nous rester deux chapitres. Un chapitre sur l'écoulement de puissance. Alors, d'après mes connaissances, enfin des années précédentes, quand M. Ascouri faisait un chapitre sur ça. Est-ce que vous avez déjà vu avec M. Ascouri un peu sur l'écoulement de puissance? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc c'est comme ça chaque année, alors que moi je revois le cours, mais en rentrant en plus dans le détail. Et donc on va le revoir ensemble, mais d'une autre façon, un peu plus dans le détail, et faire surtout des TD, des exercices sur l'écoulement de puissance. Et on va terminer le cours par la stabilité transitoire des générateurs synchrones, c'est-à-dire les alternateurs. Alors, et en attendant, donc, bien sûr, on va essayer de terminer le chapitre, parce que lui aussi est très important. C'est les lignes de transport en régime permanent. Alors, vous arrivez à voir la souris, Yac? Oui. Oui, monsieur. D'accord. Donc, surtout pour indiquer là où j'explique. Alors, les lignes de transport, ce qu'on a vu avant, c'est justement cet ouvrage, le tronçon qui relie les centrales thermiques ou hydrauliques ou nucléaires avec bien sûr le reste du réseau. Quand je dis le reste du réseau, c'est l'ensemble de toutes les lignes qui transportent l'énergie depuis la production jusqu'aux consommations. Nous, on s'intéresse au niveau haute tension, c'est-à-dire des lignes qui font plusieurs kilomètres, dizaines, centaines de kilomètres. Par exemple, celle-là, c'est une ligne de 335 kilomètres. Ça, c'est un exemple. Alors, on a déjà vu comment modéliser cette ligne. Et ce que vous voyez, c'est le schéma monophasé équivalent de la ligne. Donc, toujours, la ligne relie deux points, un point source et un point récepteur. Bien sûr, source et récepteur, ça ne veut pas dire toujours que l'énergie va de la source vers le récepteur. C'est pour ça que dans les livres, on appelle ça émetteur-récepteur, parce qu'il peut y avoir des puissances qui transitent dans les deux sens. Donc, on a un point A, point B. Mais on choisit toujours, pourquoi on met toujours source et pourquoi on met récepteur, parce qu'en général, la ligne,
Elle relie, par exemple, la centrale vers le réseau électrique général, qu'on appelle le réseau infini, qui est en général un réseau très puissant, dont la tension est fixe. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'habitude de mettre source, c'est-à-dire là où il y a la centrale, et R, le réseau, c'est-à-dire là où il y a l'ensemble des réseaux. Mais le plus important, c'est qu'une ligne raccorde le point A au point B. Aujourd'hui, justement, on va voir l'objectif du cours, c'est justement que fait la puissance, quelle est la valeur limite de la puissance, etc., qui passe par cette ligne. C'est-à-dire, on va utiliser les résultats du chapitre précédent pour modéliser la ligne en régime permanent. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc voilà un peu la ligne qui nous intéresse. Donc, on a vu le chapitre précédent, comment modéliser cette ligne. Bien sûr, en ayant une géométrie donnée, un ensemble de conducteurs donnés, des espacements donnés, etc. Donc ça, on sait faire. Alors, le résultat, on a vu que ce soit au TP dans le cours, que ça dépend de beaucoup de facteurs. La taille des conducteurs, la distance entre les conducteurs, la distance avec le sol. Donc, en particulier dans tout ce qui est calcul capacitif, etc. Et donc, tout ce détail-là nous a permis donc de choisir un modèle de la ligne. Un modèle de la ligne, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la ligne par un ensemble de paramètres. Et le résultat le plus important qu'on a obtenu, c'est que ces paramètres sont distribués suivant la longueur de la ligne. C'est-à-dire, c'est des paramètres qu'on avait définis par mètre ou par kilomètre. Alors, voici le rappel du résultat. On a vu en fait que la ligne, ça c'est le schéma monophasé équivalent. Bien sûr, une ligne triphasée, il y a trois phases. Et donc ici, je rappelle, donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les chapitres précédents, on connaît maintenant comment calculer le R, le L et le C. Et donc, une ligne de transport par phase, c'est une distribution. Une distribution le long de toute la longueur de la ligne. Donc, ce n'est pas des paramètres localisés. Rien, j'ai essayé de les représenter par le schéma, mais la réalité, R, L ou C, c'est continu toute la ligne. C'est uniformément réparti en chaque point de la ligne. C'est-à-dire, chaque point de la ligne, il y a R, L et C au niveau de chaque point. Et bien sûr, avec la longueur, ça s'ajoute petit à petit, etc. Mais bien sûr, on ne fait pas la somme des C, etc. Mais le modèle, c'est celui-là et il est uniformément réparti sur toute la ligne. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, alors on va prendre le côté récepteur, c'est-à-dire réseau, on va le prendre comme origine les distances, la longueur, et le côté émetteur, on va prendre comme source, c'est là où il y a la longueur L, qui est bien sûr la longueur de la ligne. Et donc, on suppose, fin de le schéma, bien là-haut, l'énergie va passer, fin de le sens. C'est une convention, c'est-à-dire la source d'énergie, elle est là. Et ici, où on va consommer cette énergie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypothèse fondamentale de base, c'est que la ligne relie une centrale au réseau. Donc, quand je mets ici réseau, j'ai mis une charge, mais en fait, c'est un ensemble de charges regroupées, liées, émaillées. Il peut y avoir aussi d'autres centrales ici. Mais pour nous, la ligne relie une source à gauche vers le réseau. Et donc, on va s'intéresser aujourd'hui surtout à la puissance qui passe, enfin, le sens, c'est-à-dire qui est fournie à ce côté-là, le côté où x égale à 0. Alors, pourquoi cette étude, pourquoi ce chapitre? C'est qu'une fois on connaît R, L, C, on va établir un modèle, le modèle de la ligne, dont l'objectif est calculer la puissance active surtout,
qui est très importante, parce que si on met une ligne, c'est que pour qu'elle nous transporte des mégawatts. Et en même temps, on va pouvoir calculer la puissance réactive qui est transportée par la ligne. Et on va calculer ce qu'on appelle la distribution de la tension le long de toute la ligne, qui est un paramètre très important en pratique. Pourquoi ? Parce que un réseau parfait, c'est un réseau qui est compensé, c'est-à-dire on a une tension presque constante dans tout le réseau. C'est-à-dire, malheureusement, ça c'est la théorie, en pratique, un réseau qui fonctionne correctement, c'est un réseau où tous les points de ce réseau sont dans une marge de moins de 5% de différence avec la tension nominale. Donc nous, quand on calcule le profil de tension, on va le calculer tout au long de la ligne, il faut qu'on vérifie qu'on a en aucun point de la ligne, la tension ne dépasse ou la naît en dessous d'une limite, parce qu'on va voir que la tension monte dans la ligne parfois, quand elle est à vide. Donc il faut que la tension ne dépasse pas 5% et elle n'est pas inférieure à 5% de la tension nominale. Donc l'un des objectifs de ce chapitre, c'est le profil de tension, qui est très important à connaître. Et bien sûr, le paramètre de ce qu'on appelle la puissance maximale que peut transporter une ligne. Ce paramètre est important parce que quand on installe une ligne, c'est qu'on sait déjà quelle est la capacité de la centrale électrique auquel est reliée la ligne, et il faut que la ligne soit dimensionnée pour la centrale. Si on a une centrale, par exemple, on a un exemple, une centrale de 300 MW, il faut que la puissance admissible de la ligne soit beaucoup plus supérieure que les 300 MW que peut nous fournir la centrale. Comme ça, la puissance peut transiter dans la ligne sans risque de surchauffe, surtout pour la ligne, ou sans risque de ce qu'on appelle la désynchronisation, on va voir ça tout à l'heure, pour que la source et le récepteur restent synchrones. Qu'est-ce que ça veut dire synchrone? Ça veut dire qu'ils tournent à la même pulsation. Parce qu'ici, il y a une machine, moi les alternateurs de la centrale, ici il y a d'autres machines, il y a le réseau. Il faut que le déphasage entre les deux bouts ne dépasse pas, on va voir tout à l'heure, théoriquement pi demi. Alors que s'il se désynchronise, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le risque d'emballement, c'est-à-dire le générateur va tourner plus vite que ça, et donc ils vont écrouler tout le réseau, c'est le court-circuit. Donc aujourd'hui, quand on va parler de stabilité de la ligne, ou la limite de stabilité, c'est la puissance max qu'on ne doit pas dépasser pour que les deux bouts restent synchrones, c'est-à-dire synchronisés. Ils tournent à la même fréquence, le seul déphasage, il est fixe, et il ne doit pas dépasser, on va voir tout à l'heure, pi demi. Et après, on va parler à la fin, mais je ne pense pas aujourd'hui, mais pour la prochaine séance, on va parler de la compensation qui est en relation avec le profil et en relation avec le Pmax. C'est-à-dire, dans le cas où on a une surtension quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire descendre? Ça fait partie de la compensation. Et dans le cas où la puissance maximale que peut supporter la ligne n'arrive plus à assurer le transit de puissance, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir que grâce à la compensation, on peut diminuer la tension et on peut augmenter la capacité de la ligne. On peut les faire toutes les deux. Voilà un peu les objectifs qu'on trace pour ce chapitre. Alors bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Alors, voici le rappel. Donc, on va passer maintenant à la théorie. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va trouver le modèle de la ligne, ou l'équation de la ligne, c'est-à-dire le Vx qu'on a vu tout à l'heure, quelle est son expression. Alors, pour cela, je vais rappeler un peu ce qu'on a vu avant. Donc,
Pour une ligne donnée, on est maintenant capable de calculer le R en ohms par kilomètre. On est capable de calculer le L, l'inductance, en henri par kilomètre. Et on est capable de calculer la capacité de la ligne en farad par mètre. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ces paramètres sont distribués, c'est-à-dire par mètre ou par kilomètre, puisque les lignes sont très longues, c'est toujours par kilomètre. C'est ce que j'ai noté ici. Dans le cas général, on va poser ce qu'on appelle l'impédance série de la ligne. On va la poser comme R plus JL oméga en ohms par kilomètre. Ça, on est capable de le calculer d'abord, en fonction de la ligne, de la géométrie de la ligne. Et l'admittance, c'est-à-dire l'inverse de la réactance parallèle, ce qu'on appelle l'admittance shunt, parce que l'effet capacitif, il est toujours en parallèle par rapport au courant. Dans le cas général, c'est G plus JC oméga. Nous, on est capable maintenant de calculer le C. On sait comment calculer. Le G, c'est ce qu'on appelle les courants de fuite vers la Terre. Pour les lignes aériennes, il est presque nul, voire nul. Donc le G pour nous, il est nul dans ce chapitre. Mais dans le cas général, surtout pour les câbles blindés, les câbles souterrains, le G n'est pas négligeable. Peut être très élevé. Et donc, puisque c'est des paramètres qui sont distribués, pour trouver les équations différentielles de fonctionnement de cette ligne, on va prendre une tranche ici, au niveau de la ligne, une tranche qui fait une longueur de dx. Donc cette tranche, on va la considérer située à un point x à partir de 0, qui est l'origine de l'axe x. Et on va calculer, écrire les équations différentielles avec le point x, c'est-à-dire pour une tranche dx située à une distance x de l'origine 0. C'est quoi ces équations? Ben, c'est tout simplement les équations de Kirchhoff classiques entre le x et le x plus dx. Voilà un peu en détail. Donc, je reprends la même figure. Donc, ici, je vais appeler la tension V de x. Ici, c'est la tension dx plus tard, plus loin. C'est V de x plus dx, qui est en fait V plus dv. dv, c'est la variation de la tension entre ce point et ce point-là. La même chose, le courant, on va supposer que le courant en x, il s'appelle I de x, et le courant en x plus dx, il s'appelle I de x plus dx, qu'on peut écrire comme I plus di. Alors, première relation, c'est la différence de potentiel entre ces deux points. C'est tout simplement le z ici fois le courant. C'est cette première équation. La différence, c'est ça moins ça, c'est-à-dire dv. La deuxième relation, c'est la loi des nœuds ici, c'est-à-dire le courant qui passe ici, qui est le DI, c'est l'admittance fois cette tension. Alors, l'admittance, c'est le Y. Alors, remarquez, je multiplie toujours par DX, parce que les termes sont par kilomètre, là, par mètre. Donc, c'est pour ça que je multiplie par le DX, qui est la longueur de ce tronçon. Donc, la même chose ici, le DI. C'est tout simplement la tension ici qu'on appelle Vx plus dx fois l'admittance. L'admittance, on a dit, c'est y, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, on multiplie par dx parce que l'admittance, c'est linéique, c'est par mètre. Alors après, on va tendre, bien sûr, dx vers 0 parce qu'on va trouver une équation différentielle. Donc c'est pour ça que quand dx tend vers 0, donc ce terme-là tend vers y fois v de x dx. Donc, voici les deux équations qui vont me permettre de créer ou là, de décrire les équations différentielles, enfin, le tronçon. Alors, c'est ce que je reprends ici. Donc, dv sur dx est égal zix, di sur dx est égal yvx.
Et donc, pour trouver, sont deux équations liées, donc on va utiliser l'une pour trouver, pour compléter l'autre. Celle qui est en haut, ça va nous donner d carré vx sur dx carré qui est égal à z di sur dx. Et on va prendre l'expression ici de di sur dx et l'injecter au niveau de cette relation. Et donc, ça nous donne yz fois v de x. Alors, ça, c'est l'équation de Vx. Alors, on voit bien que c'est une équation d'onde. Si on pose Yz comme gamma au carré, alors évidemment, on va voir que gamma, c'est la constante de propagation. Et donc, ce qu'on a dit déjà, on l'a déjà dit dans le cours, je pense l'année dernière, je pense, on l'a dit au début, Nao, la tension au niveau d'une ligne de transport, là, en fait, c'est une onde. C'est une onde qui se propage. Et c'est logique puisque c'est, en fait, un champ électromagnétique formé d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propage. Et donc, la tension qui est l'image de ces deux champs se trouve aussi comme une onde. Et donc, c'est l'équation que vous voyez ici. Alors, pour la résoudre, donc, on écrit l'équation caractéristique. Et donc, l'équation générale ou la solution générale, donc, c'est une somme de deux exponentielles, gamma x et moins gamma x, avec gamma, c'est la constante de propagation. Alors, n'oubliez pas que quand on travaille avec les lignes, dans le cas général, y et z sont des complexes, et donc la constante de propagation est aussi un complexe. Et l'unité, c'est mettre moins 1. Alors, cette constante est très importante à bien voir à de la constante, faire une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle, elle provient des termes résistifs de la ligne. C'est ces termes-là qui est responsable de l'atténuation des ondes le long de la ligne. C'est-à-dire que l'amplitude de la tension. C'est une onde, mais son amplitude tend à diminuer avec la longueur, c'est-à-dire avec la distance. Le paramètre qui est responsable, voilà la partie réelle de cette constante, et il dépend de la partie résistive de Z. Et la partie imaginaire, ce qu'on appelle la constante de déphasage, c'est elle qui crée bien sûr le déphasage entre deux points de la même ligne. Alors ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on connaît, nous, en électrotechnique, quand vous avez un courant qui passe dans un fil, pour nous, le courant, il est le même. Il est le même dans tout le fil, parce que dans un circuit série, le courant, il est le même. Dans les lignes de transport, c'est faux. D'abord, il diminue avec le temps, avec la distance, et en même temps, son déphasage change. Change avec la longueur. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté des lignes de transport. Et c'est pour ça qu'on trouve un point juste plus loin, dont l'amplitude est beaucoup plus grand que le point qui est proche de la source. Tout ça, c'est parce que les ondes se transmettent dans la ligne. Et donc, les courants et la tension, puisqu'ils sont liés, sont des ondes. Alors, il faut trouver bien sûr les paramètres, enfin les constantes, A1 et A2, constantes d'intégration. Voilà aussi, par la même occasion, l'expression générale de I, du courant. Ben, tout simplement, il y a la relation que vous avez vue avant, on dérive et on divise par ZC. C'est pour ça qu'on va poser cette équation de cette forme-là. Et le ZC, on le trouve égal à la racine carrée de z sur y. Alors, z, c'est en ohm. Y, c'est l'inverse de ohm. Donc, le rapport, c'est des ohms au carré. Quand vous faites racine carrée, ça donne des ohms. Alors, c'est une impédance complexe. Dans le cas général, ZC est une impédance complexe. Alors, n'oubliez pas que Z et Y sont des complexes.
Donc l'unité, c'est des ohms, mais le Z, c'est un complexe. Et c'est ce qu'on appelle l'impédance caractéristique. On va voir que c'est un paramètre qui est très important au niveau de la ligne. C'est une caractéristique très importante de la ligne, hein, le paramètre. Alors, pour trouver A1, A2, on va utiliser les conditions limites. Alors, conditions limites, donc je reviens. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. C'est que quand X égale à 0, la tension et le courant, c'est VRIR. Et quand X égale à L, la tension, c'est VS et le courant, c'est IS. Alors, c'est ce qu'on a posé ici. V0, c'est VR, I0, c'est IR, VL, c'est VS et IL, c'est IS. Alors, nous avons deux constantes à déterminer. Donc, on va utiliser les deux premières équations qui vont nous donner les deux premières constantes. Ou les deux dernières équations vont donner une relation importante, Liran-Chouffou, tout à l'heure. Alors, bien sûr, on n'est pas en présentiel, donc je saute quelques étapes. Yanni, je ne démontre pas tout, mais je vous montre au moins les parties les plus importantes à retenir. Donc, j'avais l'intention, je croyais qu'on allait travailler en présentiel. Donc, malheureusement, on est en distanciel. Donc, j'ai pu vous préparer les diapos pour vous montrer l'essentiel des développements. Alors, on va utiliser les deux premières relations pour trouver A1, A2. Et donc, ça va nous donner de nouvelles expressions de I de X, V de X. Voici le résultat. Alors, vous allez dire d'où ça vient. Ben, tout simplement, on a fait les conditions limites. On a remplacé pour trouver A1 et A2. Et puis, on a réinjecté les expressions de A1 et A2 dans V de X, I de X. Voici le résultat. Alors, ça nous donne comme V de X, cosinus hyperbolique de gamma X fois VR, plus ZC sinus hyperbolique de gamma X fois IR. Et ça nous donne pour I de X, 1 sur ZC sinus hyperbolique de gamma X fois VR, plus cosinus hyperbolique gamma X fois IR. Ça, c'est les deux premières équations. Donc, on voit bien que le profil de tension et de courant, en fait, il fait intervenir les fonctions mathématiques cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. On va vous rappeler tout à l'heure les fonctions. Et les deux dernières équations des conditions limites vont nous donner des relations importantes. C'est que quand on remplace X par L, le V de X et le I de X deviennent VS, IS. Et ça nous donne une relation très importante entre les tensions à l'entrée de la ligne et la tension et courant à la sortie de la ligne. Alors ici, VS, IS, VR, IR sont des complexes, ZC c'est un complexe, gamma est un complexe, et donc bien sûr le cosinus hyperbolique lui aussi est un complexe. Alors ces relations, on doit apprendre, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans le message, on a dit que il faut faire appel à MATLAB ou à des calculs, des calculatrices numériques, mathématiques, pour pouvoir faire les calculs. Mais il faut qu'on apprenne à faire les calculs. Donc, comme j'ai dit avant, il faut qu'on fasse ça, les calculs, et qu'on apprenne à faire les calculs, très importantes. Mais déjà, ces relations vont nous permettre de trouver le profil, n'importe quel X, et en même temps, trouver à la sortie, bien sûr, un cas particulier, les tensions et le courant en fonction des tensions et courants à l'entrée. Alors, avant d'aller plus dans le détail, donc je vous rappelle les fonctions mathématiques qui sont le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Ils ont à peu près les mêmes types de relations que le cosinus trigonométrique et le sinus trigonométrique. Donc, le cosinus hyperbolique, c'est la somme des exponentielles gamma x moins gamma x sur 2. Et le sinus hyperbolique, c'est la différence gamma x moins exponentielle moins gamma x sur 2.
Alors, il y a à peu près des relations similaires, c'est-à-dire la dérivée du sinus hyperbolique, ça donne gamma, le cosinus hyperbolique, la dérivée du cosinus, ça donne le sinus. Et il y a ces deux relations importantes, on va les utiliser plus tard. C'est que le cosinus hyperbolique d'un imaginaire pur donne un réel. Et le sinus hyperbolique d'un imaginaire pur donne un imaginaire pur, qui est ici le cosinus normal, le sinus réel que vous connaissez. Ici, c'est le sinus réel que vous connaissez. Voilà, ça c'est un petit rappel mathématique. Alors, on va revenir à nos deux équations que vous voyez là. On va les mettre sous forme matricielle. Et on va obtenir quelque chose de très important. C'est que, comme vous voyez sur cette diapo, la ligne, elle est considérée comme un quadripole. Un quadripole ayant un point d'entrée et un point de sortie. Et donc, la relation que vous voyez là matricielle, une relation très importante, puisque une ligne peut être caractérisée par ces paramètres-là, A, B, C, D, dans l'expression est la suivante, et ce sont les suivantes. Donc, cette relation relie la tension et le courant en n'importe quel point de la ligne à la tension et le courant au départ de la ligne. Bon, là, on a mis S, mais on peut mettre ici X. Et ici, on a X, 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 X. Et là, on a mis S ou IS parce que les paramètres A, B, C, D que vous allez trouver dans les livres, c'est les paramètres pour X égale à la sortie de la ligne. C'est-à-dire qu'ils caractérisent toute la ligne. Mais cette relation que vous voyez là, elle s'applique pour n'importe quel X. VX, IX, vous avez ici X, 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 X. Et ici, on l'a particularisé pour X égale à L parce que pour rester conforme conforme au standard, c'est-à-dire que quand on dit quels sont les paramètres de la ligne ABCD ou là, du quadripole ligne, on s'intéresse en fait à ABCD qui représente toute la ligne. Et donc ces paramètres sont des paramètres complexes. Complexe qu'on doit calculer. Alors, le paramètre A et D sont égaux, ce que vous voyez ici la diagonale. Alors, ces paramètres sont sans dimension. Donc, ça, faut retenir, se souvenir de ça. A et D sont sans dimension, c'est le cosinus hyperbolique de gamma L. Le paramètre B, il est homogène à des ohms parce qu'en fait, le paramètre B, c'est l'équivalent d'une impédance série. Il reflète la chute de tension série de la ligne. D'abord, le paramètre B, regardez, il est fonction, là, il est proportionnel à l'impédance caractéristique de la ligne. Ça, c'est très important. Et il dépend, bien sûr, de la constante de propagation et de la longueur par le sinus hyperbolique. Et donc, c'est homogène à des ohms. Le paramètre C, il reflète l'effet capacitif de la ligne. Et c'est pour ça que il est homogène à une admittance en Siemens. Donc, ces deux paramètres, ils ont des unités, c'est-à-dire ils ont des unités contrairement aux paramètres A et D. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces paramètres en pratique? Prenons par exemple le paramètre B. Si on veut connaître l'influence sur VS de VR et IR, c'est le paramètre B qui conditionne cette influence. Par exemple, si je varie IR de 10%, ou là de 5%, on voit bien qu'en gardant VR constant,
que VS varie en fonction de ce pourcentage et dépend de ce paramètre en principalement pour cette, dans cette variation. C'est-à-dire B, il indique comment influence le courant d'entrée sur la tension de sortie. La même chose, le paramètre C. Paramètre C, par exemple, montre comment influence la tension d'entrée sur le courant de sortie. Donc, ces paramètres très importants et permettent de donc, voir l'influence des grandeurs d'entrée sur les grandeurs de sortie. Alors, on va faire des calculs. Je ne sais pas, est-ce que des gens parmi vous ont MATLAB? Oui, monsieur, Adna, MATLAB. Voilà, donc on a dit comme d'abord un petit exercice. En bas, on va attendre quelques minutes. On va donner la solution. Voilà, je préfère franchement que vous fassiez ça chez vous parce que voilà, c'est ce qui va vous être demandé par la suite. Alors, on va prendre une ligne. Alors, je dois partager. Masquer les options de partage. Alors, comment je vais faire? Tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a un tableau blanc. C'est la première fois que j'utilise Etchi. Ou bien je vais partager. On peut partager tout l'écran, Yac, d'ailleurs. Voilà, on dit partager tout le bureau. Est-ce que vous arrivez à voir mon bureau? Non, monsieur, pas encore. Oui, de bien dire. Oui, de bien dire. Ça te chauffe le bureau d'Yali? Oui, monsieur. Oui. Voilà, t'es complétif. Donc, puisque vous voyez mon bureau, donc tant mieux. Vous voyez d'abord le bloc-notes? Oui, monsieur, très chauffe. Voilà, très bien. Donc, voici le premier exercice, donc exercice 1. Et vous essayez de noter. Donc, on a une ligne 765 kV. Alors, 60 Hz, 300 km. Voilà. Alors, on suppose qu'on a déjà fait le calcul, comme on faisait avant les chapitres précédents. Et on est arrivé au résultat suivant. 00165 plus J fois 0.3306. Voilà. Alors ici, c'est ohm par kilomètre. Voilà. Et on a fait le calcul aussi, comme on faisait avant. On a trouvé J fois 4.674 fois 10 puissance moins 6 Siemens par kilomètre. Voilà. D'abord l'exercice. Alors, première question, on va faire donc le calcul. Alors, j'espère que des gens parmi vous ont déjà MATLAB. Et vous allez nous donner les résultats. Voilà, ce que je préfère, c'est que vous puissiez justement vraiment faire ça vous-même. Alors, première question, donc, quel est le ZC? La première question. Deuxième question. Le gamma L.
Bien sûr, ma condition est là, donc on écrit gamma L. Voilà. Une bête, les questions qu'on cherche, c'est-à-dire A, D. Le B et le C. Donc, moi, les paramètres à calculer. Alors, une fois vous trouvez le gamma L, à calculer au cosinus hyperbolique de gamma L, gamma 1 se met à G, gamma L, et le sinus hyperbolique de gamma L. Alors, c'est des calculs complexes. Il faut que vous appreniez à les faire. Donc, chez LH, je le donne, parce que c'est très important à apprendre à les faire. À B, la question C, la question D, la question E, la question F et la question G. Voilà, donc on va attendre un petit peu jusqu'à ce que quelqu'un trouve la solution. On a là, c'est comme la solution à Yandy. Voilà, 2 minutes et je reviens. Là, je vais allumer la lumière et je reviens. Alors, les formules, malheureusement, les formules McKinney-Chandkoumiak, vous ne voyez plus les formules, c'est ça? Alors, je reviens à Nabashna. Voici le ZC. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur, on t'entend. D'accord. Mais on n'a pas encore fini l'exercice. D'accord, voir. Anna, je vous attends. Oui, monsieur, c'est envoyé dans le chat. Latin chouf. Envoyé par Adil Melki. C'est Adil Melki. Adil Melki. Alors, Latin.
Voilà, c'est cette image. Oui. Alors, très bien. Ada, c'est le ZCIAC, c'est ça? Alors, on a Z égale. Oui. Plus 0,666, oui. On a 10 puissance. Oui. Gamma. Très bien. Alors, à l'état de semaine, vous faites. Z-C. Sous forme réelle imaginaire, on a dit que c'est 266 plus J fois moins J fois 6.63. On a dit réelle imaginaire. Alors vous me la donnez sous forme le module. Le module est l'argument. Donc, le module va dire la fonction abs. Ou l'argument va dire la fonction angle. Donc, c'est bien. Gagnez un double matelas, il dit la. Donc, le module va dire abs. ZC. L'argument, vous allez mettre angle. Alors, on va dire l'angle en radian, on va dire fois 180 divisé par pi. On va tenir le résultat. Je vais comparer ma ligne. Je vais voir s'il y a un résultat. Donc, allez, un MATLAB, il fasse ça pour qu'on vérifie ensemble. Alors, vous avez un résultat. Je pense que qu'il y a quelque chose. Voilà. L'angle fois 180 sur pi. Donc, c'est bien 266,1, c'est juste. Donc, là, on a le résultat. Donc, il y a 266,1. Fois l'angle, c'est exponentiel, J, il y a moins, atteignez l'angle en degrés,
Alors lui, il trouve 002, on a 0025. Alors, on a une finale calculatrice, 0,025 fois 180 divisé par pi, égal 1,43, c'est bien ça. Donc le 0,02, il est correct. Donc on a noté la solution, donc 1,43 degrés. Voilà. Alors, vous passez maintenant à gamma L. Alors, il faut calculer gamma bêta. Il est là. Gamma en G égale racine carrée, il y a SQRT. Comme des résultats. Z fois Y. Voilà ce que vous devez faire. Et bien sûr, fois L. On va oublier le Hadkam, l'ADA, fois L, la longueur. Vous avez un résultat. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Donc, c'est pas fini, nous sortons. Alors, là, j'ai un résultat là. Moins 1,42, c'est bien ça. D'accord. Alors, 2 gamma L. Franchement, là, j'aimerais bien que beaucoup d'entre vous fassent le calcul. C'est très important. Là, ce qu'on a fait avant, c'est en s'entraînant qu'on va apprendre à faire le calcul correctement. Donc, il faut le faire pour avoir l'idée à un peu les calculs complexes. Donc, alors, j'ai un résultat de Oussama Sadri. Donc, 0,0093 plus J, c'est juste. Très bien. Alors, c'est va. Donc, là, radit le kaou. C'est bien juste là. 0. J'espère qu'il va copier. Oui. Voilà. Alors, en dessous d'abord, le. Alors, on dira J. Ou on dira init. D'abord, gamma L, عندكم. Alors, bien sûr, vous le conservez comme variable. L'espace de travail, le workspace. Alors, je vous propose de faire donc le cosinus hyperbolique. Donc, je rappelle, le cosinus hyperbolique, c'est l'exponentielle gamma L, comme déjà, qui a déjà fait l'espace de travail. Donc, à dire directement cos H égale. Alors, l'exponentielle, à dire carrément l'exponentielle MATLAB directement. On dit l'exponentiel GL, exponentiel moins GL, le tout divisé par 2. C'est comme un complexe. Alors, si vous avez remarqué, on ne travaille qu'avec les complexes. Et vous me dites, qu'est-ce que vous obtenez comme... Et vous me les mettez à voix sous forme de module et argument. Module et argument.
هذا غادي يكون هو لو بارامتر ا وغادي يكون هو لو بارامتر دي. Alors, il y a une réponse, Inaya. 0,93,13. Le cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique, 0,93,13. Oui. Tenez l'argument. Parce que 0,93,13, c'est juste. Donc, tenez l'argument, je me chauffe. Oui. Très bien, atteignez l'argument en degré ou le module en degré. Donc c'est bien de trouver le module. Le paramètre A, B, C, D, c'est toujours bien de les mettre sous forme module, argument. Alors, on va les utiliser par la suite, la puissance. Le module, on va l'utiliser par la suite, la puissance. Donc, je vois que c'est juste. Alors, atteignez l'argument. Donc, là, c'est comme déjà ce que vous avez trouvé, 0. Alors, le module 0,93,13, oui. Alors, l'argument, atteignez l'argument. J'ai un degré. Très bien, 0,21, c'est juste, voilà. Donc, on a dit la solution, pour 0,21 degrés. Elle dit juste. Alors maintenant, vous passez au sinus hyperbolique. C'est un complexe. Sinus hyperbolique, on a dit le moins. Au lieu du plus, il y a le moins. Là, vous me dites toujours module argument. Alors, ZC, c'est en nombre. Donc, très bien, bien, bien noter ça. C'est en nombre. Le ZC, il est en nombre. Le gamma, c'est en mètre moins 1. Le gamma L, c'est sans dimension. Ada, sans, ici, sans unité. Sans unité. Voilà. Et voilà. Alors ici, il y a un résultat. Je vais voir. Alors, c'est l'angle, c'est 0,20. Là, donc, oui, le sinus. Alors, atteignez le module ou atteignez l'argument. Faites sinus hyperbolique. Module et l'argument. Alors, j'ai un résultat, Oussama Sadri, 0,36,46, c'est juste. 88,64 degrés, c'est juste. Donc, on a un ktiba. Donc, on a juste 0,36,46. On a 88,64 degrés. Très bien. Alors maintenant, A et D, c'est déjà fait. On voit le cosinus hyperbolique. Donc, on dit le résultat directement. D'abord, le B. Il faut trouver le B. Tawa, module, argument. Alors, je ne sais pas si j'ai un résultat. Je fais là. Le B, là, mazal. Donc, on dit le B. Alors, le B, on dit le carcom, d'après le cours. C'est ZC fois sinus hyperbolique de gamma L. D'après le cours. Égal. On a le module plus l'argument parce que on a un stamlum, on a la puissance.
Alors, est-ce qu'il y a un résultat? Mazel, ok. Donc, module, argument. Alors, je recommande fortement, gars, les étudiants de le faire soi-même pour s'entraîner à le calcul complexe. Ah, j'ai un résultat. Alors, on a 99,01, l'argument 87. L'argument, il est juste. Le résultat, le module, je vais vérifier bien. Le module, je suis bien. Je vais trouver le même résultat. L'argument, il est juste. Alors, je vais là. Voilà, c'est le 97. Très bien. Donc, c'est juste. Donc, on a un tel résultat. Le formulaire de confirmation à télécharger auprès du service de scolarité le lundi de 8h30 à 14h30. Il est porté à la connaissance qu'ils doivent confirmer leur condition. Vous m'entendez? Oui. D'accord, parce que quand on a le son, je vois le terre. Alors, 97,02. Très bien. Exponentielle J87,21. Voilà. Très bien. Alors, il nous reste le C. Alors, le C, c'est d'après le cours 1 sur ZC qui multiplie le sinus hyperbolique de gamma L. Voilà. Alors, la même chose, vous me donnez l'argument et vous me donnez le module. Alors, là, n'oubliez pas l'unité, c'est ohm. Très important, l'unité. Voilà. Bada daradin, had fichier, had daradin, saftorikum. Donc, adin, ktibina, enregistré sous. Alors, là, voilà. Exemple 1, exercice 1, 4-1, 27 tolico. Mais je préfère, je le dis, je le répète, essayer de faire ça vous-même. C'est la meilleure façon de s'entraîner sur ça. Alors, dernier paramètre et on continue. Le C. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé?
Voilà. 1 sur ZC, sinus hyperbolique de gamma L, oui. Alors, atteignez le module, Charles. Le module, Charles, indictement. Je suis à Naks. 0, double 0. Alors, 0, double 0, 14. Oui, c'est juste. 90. Très bien. Très, très bien. Donc, alors, on écrit le résultat. Donc, on a entré en millisiemens, c'est un peu 1,37. Comme 1,4, c'est bien, parce que vous avez un arrondi. Donc, c'est 1,37. Exponentielle, l'argument, il est juste. C'est 90 degrés. Point à peu près 0,7 degrés. Très bien. Voilà, donc on a terminé avec l'exercice. Alors ici, c'est en millisiemens. Alors, avant de reprendre le cours, donc je répète, très important, donc avec le fichier, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les grandeurs sont complexes et que les calculs se font en complexe. Le A et le D sont sans dimension. Le B, c'est des ohms. Et le C, c'est des siemens. Alors, mettre toujours sous la forme module, parce qu'on va en avoir besoin par la suite, les modules. C'est très important pour les calculs. Donc, il faut les laisser toujours l'argument module. Voilà, donc là, je vais vous l'envoyer tout de suite, tout à l'heure. Et on va continuer le cours. À part si vous avez des questions. Bon, alors il ne reste pas beaucoup. Alors justement, Adine, comme le... il y a que vous arrivez à voir. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. D'accord. Alors, donc, on a vu maintenant comment représenter une ligne sous forme de quadripôle, comment faire les calculs exacts. Maintenant, on va voir une autre façon de représenter la ligne. C'est ce qu'on appelle le circuit électrique équivalent en pi, parce que ça a la forme de pi. Alors, c'est un circuit très pratique. On va l'utiliser la compensation et on va l'utiliser aussi l'écoulement de puissance. Alors, il s'agit de représenter la ligne qui est entre un côté émetteur, un côté récepteur, qu'on a dit que l'émetteur c'est la source, le récepteur c'est le réseau, et on le représente par une impédance série totale qu'on doit calculer, et deux réactances de valeur identique, enfin deux admittances, pardon, de valeur identique qu'on note y' sur 2, y' sur 2. C'est-à-dire, là, on partage l'admittance équivalente de la ligne en deux demi-admittances, c'est-à-dire la moitié, une à l'entrée de la ligne et l'autre à la sortie de la ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma électrique en pi. Équivalent, qui est très important. Utilisez PSIM, si vous avez fait déjà utiliser PSIM, dans MATLAB aussi, utilisé dans la théorie de l'écoulement de puissance, etc. Donc, c'est un paramètre, c'est un schéma très pratique. Alors, l'un des avantages de le schéma, c'est quand on met deux lignes en série, l'avantage, c'est ça facilite de la transformer en une seule ligne. Il suffit de regrouper les deux admittances en une seule admittance et on a la cascade. Ça permet de faire la cascade de lignes. En même temps,
elle va nous aider quand on va faire le TD sur la compensation. C'est ce schéma-là qui va nous aider au niveau de la compensation. Ça permet de modéliser correctement la compensation. Et un autre avantage, c'est qu'il y a une relation entre ce schéma-là et la représentation en quadripole qu'on a vu avant. C'est ce qu'on va montrer ici tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut trouver une matrice équivalente de ce schéma-là? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut lier VSIS à VRIR par la même relation, c'est-à-dire une matrice 4 fois 4 fois les vecteurs d'entrée. Alors, évidemment, si on fait le lien entre cette matrice et la matrice A, B, C, D, donc on a automatiquement le B, c'est le Z'. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le B, ça représente la chute de tension série. Donc, on voit bien que le Z' qu'on met dans le circuit électrique équivalent, c'est bien le B et le Z' qu'on a dans ce schéma-là. Donc, le B et le Z' sont tous les deux des impédances en ohm. Et donc, il a la même expression qu'on a vue avant. Et bien sûr, les termes diagonaux, c'est les A et les D, et c'est ça qui permet de calculer le Y'. Alors, c'est ce qu'on va voir ici, c'est ce que vous voyez en vert. Donc, en combinant les relations qu'on avait de A et B, et avec les expressions que nous trouvons ici dans cette matrice, on trouve que le Z', c'est le B, et c'est le ZC sinus gamma L, c'est en ohm, et le Y' sur 2, avec une simple manipulation, bon, malheureusement, on n'est pas au tableau, mais on peut facilement le démontrer, on trouve que le Y' sur 2, c'est le 1 sur ZC tangente hyperbolique. La tangente hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique. Il y a la tangente hyperbolique de gamma L sur 2. Et l'unité, c'est en Siemens, puisque ici, c'est l'équivalent d'une admittance. C'est l'effet capacitif. Là, c'est l'effet inductif. Alors, justement, tant que vous avez MATLAB ouvert, donc la prochaine question, c'est calculer le Y' sur 2 en millisiemens et le Z'. Alors, le Z', ce n'est pas la peine de le calculer. On va directement dire question EFGH. On va dire le Z' égale tout simplement le B. Ce n'est pas la peine de le calculer, égal à ce qu'on vient de trouver ici. Alors la question I, c'est justement quel est le Y' sur 2. Alors, vous essayez de calculer, vous me donnez la réponse pour qu'on la mette justement fin de la partie ici. Donc c'est la question I. Alors, il y a une autre expression de Y' sur 2. Je ne l'ai pas noté. Il y a peut-être comme le résultat de la tangente. Parce que là, il y a gamma L sur 2. Mais si gamma L. Quand il y a gamma L, il y a des sinus hyperboliques de gamma L sur cosinus hyperbolique. Sinon, vous recalculez gamma L sur 2, vous faites tangente sur MATLAB. Sinon, il y a une autre expression. Alors, on dirait là, pour compléter le cours, c'est 1 sur ZC. D'ailleurs, elle vient de là. Cosinus hyperbolique de gamma L, moins 1, le tout sur sinus hyperbolique de gamma L. Alors, Bachman Raltosh, donc, c'est toute cette partie-là qui est sur le sinus. Et bien sûr, le cosinus hyperbolique, ridiel gamma L. Voilà, ça, c'est une autre expression. Si vous voulez utiliser les résultats que vous avez déjà dans MATLAB. Alors, vous me dites, ça donne quoi?
Alors, évidemment, là aussi, il faut me le donner en module et en argument. Donc, ici, c'est des ohms. Ici, le résultat qu'on va trouver, c'est en siemens. Alors, je vais voir si vous avez des résultats. Alain, je vais attendre ici. Je vais voir, donc pas encore. Donc je répète, ça, c'est très bien de faire un cercle comme le fichier. Et il faut le refaire soi-même, parce que c'est très important de. De le faire et de s'entraîner sur ces calculs-là. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui, il y a un résultat. Donc, il y a un 00 0014. Kawakelask divisé par 2 degrés, 0,1 degrés, z à la puissance moins 1. J'ai le module, atteigné le module. Il y a le cal, 1,57. Il a dit en radian. Ça va peut-être pi, 180 sur pi. Le module, il a divisé par 2. Y prime sur 2. Donc c'est bien un y prime, oui, ça fait c'est juste. Donc en divisant par 2, très bien. Donc en millisiemens, ça donne 0,7 fois l'angle. Donc l'angle, il y a avec l'adjectif 180 sur pi, attendez que j fois à peu près 90 degrés. Voilà. Alors ça, c'est en millisiemens, très important l'unité. Alors on va sauvegarder. Alors là, ça, donc ça termine cette séance. Alors, on s'est clé comme cette partie-là, on s'est un an, je pense, un an général. Voilà, on a une nouvelle conversation. Alors, on a à partir de mon ordinateur.
Voilà. Voilà, il est en train de se télécharger. Alors, j'envoie le fichier. Et voilà, donc, je vous ai envoyé donc le fichier, l'exercice mal les réponses. Donc, ce que je vous demanderai, wa diro, taoudou les calculs, vous-même. Comme ça, vous vous accommodez, vous entraînez sur les calculs complexes. Et la semaine prochaine, inchallah, on va continuer le cours. On va essayer de terminer le chapitre, inchallah. Des questions? C'est bon? Allez, bon courage.